Soir. Bonsoir à tous et à toutes. C'est bien Francis Kakonde, votre compagnon de tous les samedis soirs. Non, mesdames, ne dites pas à vos maris que vous me regardez. Non, messieurs, ne dites pas aux femmes que vous me regardez, que vous craquez pour moi. Je le sais, c'est le monde d'aujourd'hui. Vous êtes dans ce Francis Show avec, à ma droite, les voici. Alexandra Cardin, ça va? Oui, ça va, Francis. Tu survis à toutes les demandes de mariage? Oui, ça va, ça va. Winnie qui a brisé des cœurs, Winnie Sangara qui a brisé des cœurs à Kinshasa et qui continue à en briser en Afrique. Ça va? Ça va très bien. À ma gauche, les dragueurs de première, le sapeur BBM, Fabrice Pembele. Salut Francis, salut à vous tous. Aujourd'hui, je suis habillé par Yannick Mavoila, le styliste. Vous voyez, hein, un mannequin vivant. On a terminé avec l'antenne de service, le beau gosse africain, celui qui voyage partout, celui qui a la verbe oratoire. Je ne sais pas si ça se dit. Ça va? Très bien. Ça va, Francis? Ça va? Téléspectateurs, bonsoir. Bon, là, on comprend l'ambiance. On va commencer l'émission de ce soir, comme toujours, en louant le Seigneur tout de suite. Oh my God! Kendrick, le mec, il pleure à la fin. Bref, on va commencer avec notre expert, Zanim Piana, qui va aujourd'hui. Non seulement il est fils de pasteur, non seulement il est célibataire. Je le vends, là. Non seulement il est célibataire, mais en plus, il est le Seigneur. Il va commencer avec nous aujourd'hui, il va commencer avec vous aujourd'hui pour nous apporter les bonnes grâces du Seigneur en ce soir de samedi. Que vous êtes là, tous nombreux et toutes nombreuses, surtout les femmes, je vous adore. Tout de suite, Ozaline Zambé, Zanim Piana, louons le Seigneur. Eh oui, Ezaliyo, Bobeleyo, Kakaye, Zanim Piana, artiste, musicien, compositeur, chanteur. Je n'ai que des gens doués dans mon équipe. Si t'es pas doué, t'as rien à faire ici. Ou si t'es trop doué, tu dégages, je vais être jaloux. Mais sinon, je n'ai que des gens doués dans cette équipe. Zanim Piana, son album est sur le marché, un très bel album. Et ça, c'est une très belle chanson, mais pour moi, c'est pas la plus belle. Il y a encore de plus belles dedans, mais ça, c'est mon humble avis. Zanim Piana, c'était la rubrique Oh My God. On va commencer l'émission de ce soir, lentement et sûrement. Le commandant de bord, Francis Kakonde, vous emmène. T'es pas zette? Eh oui, t'es pas zette, votre rubrique, c'est tout de suite et c'est pour vous maintenant. «
Il est de coutume dans cette émission depuis quelque temps, vous aimez, vous appréciez. Cette rubrique est la rubrique dans laquelle nous vous proposons des souvenirs, des trucs nostalgiques pour vous détendre et tout. On a commencé par des séries. Et je le rappelle, ne manquez pas le rendez-vous la prochaine fois, dans la prochaine émission. Ne manquez pas le rendez-vous. Émission spéciale Noël et Bonana. Vous aurez plein, c'est un gros zapping. Pardon du terme, c'est un gros bordel et c'est un gros zapping. Ça sera la semaine prochaine. La prochaine fois, vous serez là, vous serez devant vos écrans et vous apprécierez. Donc c'est un gros tépazet en somme, quoi, les meilleurs événements de l'année. Bref, on va regarder tout de suite un sketch. À l'époque, un grand comédien, Coco Dianzombo. Rien que pour vous, chers amis de chez Francis. On regarde ça tout de suite. Maman. Communiqué domestique. Monsieur Haricot a la profonde douleur d'annoncer à ses amis et connaissances la mort de son grand frère aîné, Monsieur Haricot, à l'hôpital de la cuisine. Ce communiqué est adressé à sa tante Fourchette, sa sœur Cuillère, son oncle Couteau, habitant toute la ville de la vitrine, sans oublier son nièce NVO. Après autopsie faite par le docteur Lalangue, à présence de l'assistante médicale Latin, dans la salle d'opération La Bouche, où on lui a injecté de la salive. On a constaté que M. Haricot est mort d'une longue et pénible maladie de la préparation dans une soupe de 17 boîtes de tomates, d'un bidon d'huile de 5 litres et de 15 cuillerées de sel. Une messe de requiem sera célébrée à la cathédrale de l'estomac avec la participation de la chorale de verre, Amibe, Ankylostome, Ascaris, Vipère. L'enterrement aura lieu au cimetière de la toilette en des parenthèses ouessées. Le corps du défunt sera accompagné par le choral des mousses. Haricot, haricot, haricot. Prions le Très-Haut pour que son âme repose dans la fosse sceptique. Je vous remercie. Haricot, 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 haricot. Ah oui, on en fait plus, hein, des comédiens comme ça. Coco Dianzombo, un grand comédien congolais qui a fait les plus grandes heures de sa gloire, c'était dans les années 80, 90 à l'époque. 90, pardon, les années 80-90, il cartonnait dans la télévision congolaise, maintenant il est installé à l'étranger, et il continue en tout cas, c'est cette rubrique. Je voulais vous faire rire juste au début, après avoir passé une émission un peu triste la semaine dernière, toujours paix à son âme au Shiro Taboulay, quoi. Alors maintenant, on va passer à la rubrique que vous aimez tant, pour laquelle je reçois le plus grand nombre de demandes de mariage, parce que je vous rappelle, messieurs, je suis un grand... C'est interdit, hein, le proxénétisme à la télé. D'accord. Les mois-ci, c'est maintenant, rien que pour vous. Les mois-ci, notre rubrique féminine. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Francis. La formule de politesse dit que je dois toujours dire mesdames, mais je préfère dire mesdemoiselles. Ça nous arrange. Ça vous arrange? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, la dernière fois, d'abord, je veux avoir le feedback de votre dernière apparition dans l'émission. C'était il y a 3 semaines, 1 mois. C'était bien? Le feedback, à part les demandes de mariage, et toi qui veux tuer des gens en refusant leur demande, tu me fais rater beaucoup d'argent, toi. Non, sérieux, le feedback par rapport à votre premier passage, les critiques, c'était quoi? La critique qui t'a fait le plus mal, Alex? Qui m'a fait le plus mal? Oui, d'abord, qui t'a fait le plus mal, la critique? Que j'avais l'air trop sérieuse. C'est ça qui t'a fait mal? Bon... Oh, pauvre ouais, parce que si, ça pauvre juste pour qu'on se dise. Oh là, que c'est mignon. Mais franchement, j'ai pas eu des critiques méchantes. Donc, peut-être que vous avez été trop gentil avec moi, vous m'avez épargné. Et Winnie, la critique t'a fait le plus de bien? Oh, que je passais bien la télé. Alors, aujourd'hui, de quoi allez-nous nous parler?
Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur, qui est vraiment important. C'est le phénomène du retour aux cheveux naturels. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui ne touche pas uniquement les femmes, mais en grande partie quand même. Ceux qui ont les cheveux, en tout cas. Voilà. Oui. Merci. Tu es naturel. Tu es naturel. Oui, oui, je suis naturel. Oui, ah, vide, il n'y a rien. Ça touche pas que les femmes. Non, j'ai pas dit que les femmes. Principalement. J'ai dit pas que les femmes, mais en grande partie. En très grande partie. Ouais. Par exemple, la star BBM, là, c'est. C'est pas trop naturel. Ça. Hein. C'est non, pas trop. Mais lui, c'est parce que c'est un footballeur. Il respire l'argent. Donc, ça veut dire que l'argent, ça n'avait pas de naturel. Enfin, bref. Donc, les gens maintenant, enfin, les femmes, pardon, parce que c'est plus votre base, les femmes et les gens préfèrent revenir au naturel. Pourquoi ce genre de choses? Parce qu'on avait remarqué, ça dépend des races, c'est quoi ça, bah, si tu veux, je t'explique. Mmh. En fait. Je veux. Ok. Mmh. Bah, en fait, on a constaté que dans les années. Dans les années 80, les cheveux afro, il a commencé à faire place aux cheveux lisses, en fait. Il a commencé à devenir tabou progressivement. Et il y a vraiment eu, à partir de la fin des années 80, une hégémonie du cheveu lisse, mais vraiment lisse. À la Michael Jackson, quoi, le petit cavalier, ouais, tout ça. Ouais, avec ouais. Ouais, voilà. Et donc, le cheveu naturel, qui était pourtant à la mode dans les années 70-80, ben, il a commencé à disparaître progressivement. Oui, parce que. Enfin, moi, je me rappelle de ma maman, mes tantes, tout le monde arborait un bel afro. Les chanteuses à l'époque étaient naturelles, naturelles, toujours naturelles. Et puis, d'un coup, les années 90, les films d'Eddie Murphy et un sexy chocolat. Et on commençait à avoir les cheveux lisses. Mais et à mettre des plantes, des pouces vers l'entrée 90 et tout ça. Entre autres. Mais ce que je note, moi, c'est que au final, c'est juste un retour à ce qui s'était déjà passé avant. C'est juste un revival d'une mode qui a déjà existé, en fait. Parce qu'on peut voir des actrices comme Pam Grier, Foxy Brown, elle arborait un superbe afro. Ah, elle était jolie avec son afro. Ouais. Et puis aussi des chanteuses comme Myriam Makeba. Elle aussi, elle était naturelle. Donc voilà, c'est, en fait, le phénomène, c'est juste un retour, en fait. C'est juste un phénomène qui a fait un break d'une vingtaine d'années et puis qui est de retour. Et aujourd'hui, c'est vous remarquez que toutes les femmes redeviennent, enfin les femmes afro, reprennent le look d'antan avec les boogies, les afros et tout ça. Ouais. C'est dû à quoi? C'est quoi? C'est un état d'esprit? C'est quoi la mode où on se fatigue de vouloir poser son fric dans les pouces? C'est avec vos plantes qui puent, pardon. Chinoises, je sais pas, toutes ces trucs-là, ça vous fatigue. Les péruviennes, etc. Les péruviennes, Mais en fait, je pense que ça dépend un peu d'une personne à une autre. Si je dois parler de mon cas personnel, bah, moi, j'en ai eu marre, en fait, d'avoir tout le temps la même coiffure, de devoir réfléchir, je vais faire ça, demain, je vais faire ça. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire un truc qui va rester et ça va être mes cheveux. Mmh. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans les lux, en regardant des vidéos sur YouTube, etc. Bon, j'étais combattue par ma maman. Ouais, parce qu'elle a vu Bob, hein. Ouais, voilà, elle s'est dit, ça y est, ma fille, voilà, commence à prier et tout, chabalabalala. Mais voilà, j'ai résisté, et ça fait 5 ans que je ne me suis plus défrisé les cheveux. Ça fait 5 ans que je me laisse pousser. Et financièrement, c'est pas mieux, les cheveux naturels, revenir aux cheveux naturels? Oui, je pense que c'est parce que là, voilà, je pense qu'il y a un phénomène. Pour nous, les hommes, ça nous arrange. Surtout ça. Oui. Ça coûte moins cher, en tout cas, dans ma poche, c'est à la ninité, parce que ça coûte à la peine bon. Hein, ça dépend de la personne, en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir essayer tous les produits qui sont sur le marché, mais bon. À fuir. Par exemple, pour moi, c'est vrai qu'il y a un côté économique vraiment très important parce que je ne vais pas devoir investir des 200 euros dans des mèches brésiliennes, tout ça. Ouais. Moi, personnellement, j'utilise que des produits que j'utilise quotidiennement, donc de l'huile, des produits qui ne sont pas chers, en fin de compte. Et c'est naturel ou c'est... Bah, au final, tu peux le manger, tu peux le mettre dans tes cheveux. Voilà. Moi, j'ai une question. La différence, parce que moi, tu parles aux autres, brésilienne, tout ce que tu veux, péruvienne, il ne restera plus les congolaises, enfin, tu rentres non, le tout pour faire la congolité. Mais la différence, c'est quoi? Parce que Moutoua sont brésiliennes et qu'elles portent une péruvienne, quoi, c'est quoi la différence? Honnêtement, je ne sais pas. C'est né que les cheveux, non? Franchement, nous, on est vraiment détachés de ça, au final, on n'est pas trop au courant. Mais il y a des types qui sont
beaucoup plus, enfin, qui sont meilleures. Genre, les Brésiliennes, c'est, voilà, c'est deux must. Ah, j'ai des Brésiliennes. Bon, les Péruviennes, je suppose que c'est un peu plus low cost. Puis t'as les synthétiques, etc. Mais les Brésiliennes, c'est high class. Mais c'est pire, c'est que, écoute, un bon, ça coûte cher. C'est beaucoup d'argent, c'est un investissement. Tu te dis, je paye mon loyer ou je paye mes cheveux. Voilà. Ok, alors là, dans la dernière minute, qu'est-ce que vous conseillerez aux femmes qui vous suivent actuellement, parce qu'elles regardent l'émission, vous savez, avec la nouvelle mode, parce qu'on dit que la mode, en fait, c'est ce qui se démode. Est-ce que vous leur conseillerez de toujours suivre le mouvement, toujours d'être dans la vague du temps, être retourné en afro, ou faites ce que vous voulez, choisissez comme vous voulez. Non, c'est vrai qu'c'est un phénomène de mode, en grande partie, mais moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de vraiment écouter sa vraie nature. Donc, si la nature nous a donné des cheveux comme ça... On a tout le monde des cheveux. Donc, non, la nature en donne et puis les reprend dans certains cas. Ouais, c'est ça. La nature ne même pas, moi. La nature ne même pas. Ouais, bon, alors, le mot de la fin, mesdemoiselles, pour ce sujet-là, par rapport à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes, toutes les mamans qui nous ont suivies, doivent-elles retourner en mode afro comme nos mamans étaient? Naturel, il n'y a que ça de vrai. Ben, moi, je dirais oui, parce qu'au final, quand je me regarde dans le miroir, je suis fière de dire « c'est mes cheveux, c'est mes cheveux ». Et pas « oui, c'est oui, j'ai acheté. » Non, il y a une certaine fierté. Il y a une vraie fierté. Il y a un accomplissement personnel, en fait. Ça prend du temps et de la patience, mais c'est vraiment gratifiant. Merci, mais moi aussi. On vous retrouve, vous êtes là avec moi jusqu'à la fin, mais on va vous retrouver pour la fin de l'année. Dans l'émission, vous ne bougez pas. Tiens, elles ne bougent pas, les filles, aujourd'hui. Mais vos demandes de mariage, là, je ne vois pas. Tu demandes le divorce, déjà ? Non, pas encore. Vous avez manqué quelque chose dans l'actualité ? Vous avez envie de revoir une vidéo à gauche et à droite ? Je le rappelle, je remercie toutes les personnes qui produisent des vidéos, qui participent à notre zapping. Parce que là, le zapping n'était pas la semaine dernière. Bien sûr, c'est une émission spéciale Taboulaye, mais il revient maintenant, le zapping. On remercie tous les sites, tout ça. Nous choisissons des vidéos, ça ne nous appartient pas, ces vidéos. Donc la qualité, tout ça, nous ne sommes pas responsables forcément de cela. Mais nous vous proposons, pour vous manquer quelque chose, un événement, n'importe quoi, c'est tout de suite, c'est dans le zapping sur C'est Francis. Bonjour mesdames et messieurs, et excusez-moi si je vous dérange, ou bien si vous mangez aussi. Excusez-moi de vous déranger, je suis juste là pour rectifier un tout petit truc. David Monceau, hein, monsieur David Monceau, tu étais avec Fally Poupa, tu étais le producteur, non, même pas même d'abord, tu étais avec Koffi Olomide, quand moi j'avais peut-être 6 ans, qui t'ont tous quitté. Excusez-moi, je vais fumer un peu, s'il te plaît. Tu peux me passer ma cigarette? Merci. Donc, aujourd'hui, tu es avec Fally Poupa. Et ce même Fally Poupa, qui est un ami à moi, qui est mon ami, t'a quitté. Moi, Arafat, depuis 2005, tu utilises mes œuvres parce que tu étais mon producteur. Aujourd'hui... Hier, il y avait plus de 70 points à l'ordre du jour. C'était vraiment un conseil qui a duré jusqu'à minuit passé. Nous avons vu, en tout cas dans la presse, j'ai vu qu'une Echwin SPA avait mentionné donc, la possibilité d'avoir une place Patrice Lumumba ici dans le quartier à Matongui. Et donc hier, nous en avons discuté au conseil communal. J'ai notamment introduit une question orale à ce sujet. J'ai vu l'information dans la presse, je l'avais apprise par voie de presse. Et donc ma question avait un objectif qui était de recevoir plus d'informations à ce sujet, de savoir où ils en étaient, si une demande officielle avait été introduite, etc. Et d'émettre également mes réserves quant au choix de la place. J'ai comme beaucoup de gens énormément de respect pour une figure très importante comme Patrice Lumumba. Mais j'ai estimé que, vu le contexte dans lequel le quartier de Matonga XL a évolué ces dernières années, c'était sans doute pas la bonne place ici à XL. Donc j'ai vu des messages circuler qui disaient que je m'opposais fermement à ce projet. Il n'y a pas de raison que je m'oppose fermement à un tel projet. La seule chose, c'est que j'estime que ce n'est pas la bonne place. Je ne m'oppose pas à une place Patrice Lumumba à Bruxelles. Mais j'estime que dans le quartier de Matongé, dans l'endroit qui a été apparemment choisi par ceux qui ont l'intention de faire la proposition, n'est pas le bon endroit. Naïta, oh,
cap la merveille. Le chef de la Maison Blanche qui aura eu ce geste historique, cette poignée de main avec son homologue cubain Raúl Castro. Poignée de main qui n'était pas prévue, affirme-t-il, et qui est fortement décriée par les républicains. Mais loin de ces polémiques, c'est la ferveur et une atmosphère de fête qui resteront aussi. La dépouille de Nelson Mandela sera exposée dès aujourd'hui et pour trois jours à Pretoria, avant son inhumation officielle dimanche à Kounou, le village de son enfance. Ah oui, le zapping, pour ceux qui n'ont pas reconnu qui est dedans, on a très bien reconnu le DJ Arafat, tout le monde le connaît, c'est la star ivoirienne de musique actuellement qui explique cartonne. À David Monceau, hein, qui cartonne, hein, mm-hmm. Il explique à David Monceau, c'est quatre vérités, bref, et tout. Et puis il y a eu l'extrait de Fally qui avait joué là-bas à Abidjan, qui a marché. Il y a aussi la députée burkinabé, députée belge d'origine burkinabée, qui ne veut pas qu'il la place Lumumba ici en Belgique. On en reparlera avec Christelle Pananzi là en janvier, parce que c'est un sujet qui fait débat ici. Comment une sœur africaine refuse de soutenir un héros africain, ça c'est très bizarre ça. On va revenir dessus. Mais c'est parce que peut-être il est burkinabé, non? Oui, mais Burkinabé, Thomas Sankara était bien un héros, mais un héros, c'est un Burkinabé. Il est reconnu par tout le monde. Et moi, c'est juste le journaliste qui l'interview, en fait. C'est juste comme ça, il ne regardait même pas, tu vois. Donc c'est pour dire que, vas-y, continue. Bref, tout ça, c'est dans le zapping. Vous avez vu quelques images. J'espère que cela vous a plu. On va passer maintenant à Cam Life. Cam Life, Cosi Modeste, hein, notre itinérant africain. Comment ça va? Bon, aujourd'hui, tu me parles de quoi? J'ai sujet un peu récurrent, puisque je viens quand même pour le coaching et je suis quand même dans l'émission pour le coaching, mm-hmm. malgré ma petite intermède pour justement le senior Lé la semaine dernière. J'ai eu une question qui m'a un peu interpellé il y a quelques temps, où quelqu'un me demandait, voilà, j'ai besoin de toi pour un coaching, et je lui disais, ce serait bien qu'on en parle et que je sache si moi je peux t'aider ou si je dois te guider vers quelqu'un d'autre. Et la personne me dit, mais tu peux refuser un coaching? Je dis, bah oui, si je sens que j'ai pas les capacités pour ça, je peux éventuellement refuser le coaching. Et c'est pour ça que j'avais trouvé une vidéo qui a été faite par un institut américain, mm-hmm. qu'on va voir tout de suite, qui a été faite et qui explique un peu comment se passe le coaching. Voilà. Ok, on regarde la vidéo maintenant, qu'aussi va nous expliquer en quoi ça consiste sur le coaching. On regarde la vidéo maintenant. Donc voilà, c'est bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, comment marche le coaching, juste une petite vidéo. Donc, les initiatives de la vidéo. Donc, la première chose qui se passe, c'est la rencontre avec le coaching, avec le coach en tout cas. Donc, on vient rencontrer le coach avec certaines attentes, comme vous voyez sur l'image. Et donc, voilà, la personne dit, voilà, moi, j'aimerais atteindre des sommets en tout cas, ou aller loin. Et c'est ce que je me suis entrepris à faire. Donc, il s'avère que dans mon parcours vers l'ascension, je me retrouve devant un nœud pour atteindre justement ces montagnes que vous voyez en fond. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, le coach lui dit, très bien, je suis votre homme. Donc là, on va passer à la vision. Donc, quelle est la vision justement de... Je trouve que ce petit pictogramme est super bien fait parce que ça résume vraiment ce qu'est le coach. Et il faut aussi savoir que souvent, quand on vient voir un coach, ce n'est pas le coach qui va donner la solution, il va juste nous donner des clés, mais souvent, les solutions, c'est nous qui les avons, en fait.
Mais simplement, on a besoin d'avoir peut-être quelqu'un qui a un peu plus de recul pour pouvoir nous montrer le plan et le chemin. Donc là, le plan, c'est de passer, comme vous l'avez vu dans le petit pictogramme, du point A au point B, donc vers les montagnes. Donc là, par exemple, le coach va donner un peu le plan à suivre. Donc, quelques armes et comment justement atteindre, passer ce sac à nœuds. Donc là, on va voir, le parcours, comme vous voyez, ça, c'est l'étape 4. Donc avec la boîte à outils. Enfin, la boîte à outils est bien représentée parce que c'est notre esprit et c'est un peu comme Inspector Gadget, tu vois. Donc là, voilà. Il faut essayer de monter justement au-dessus de cette petite montagne. Petit carré. Voilà, rectangle qui est là. Première étape de réussite. Parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes pour arriver. Comme vous voyez sur l'image, il y a plusieurs étapes pour arriver vers le sommet. Ce n'est pas simplement une étape quand on va atteindre les sommets, il y a plusieurs étapes, avec aussi des obstacles. Donc, le coach continue à vous donner quelques solutions. Mais finalement, la solution, vous auriez pu l'avoir, mais simplement, il continue à vous donner l'aide nécessaire. Donc là, vous, il vous donne l'aide nécessaire, sauf que vous avez une échelle. Vous dites, ah, j'ai l'échelle. Ça peut être représenté, par exemple, j'ai l'argent. Mais peut-être que l'argent n'est peut-être pas suffisant. Donc, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour faire fructifier cet argent-là ? Donc, le coach vous rattrape, puisque je me dis, tiens, j'avais peut-être l'argent pour pouvoir le faire, mais je n'en ai pas suffisamment finalement. Donc, le coach revient en vous disant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire fructifier cet argent-là pour pouvoir mettre des petits paliers en plus. Donc, à partir de ce moment-là, il met les petits paliers. Vous montez les escaliers. Et là, vous êtes au sommet. Vous avez vu, hein, c'est très, très simple, en fait, finalement, quand vous regardez comment marche, en tout cas, le coaching. Et voilà. Ouais. Youpi, j'y suis arrivé. Je suis passé de l'autre côté du nœud qui m'arrêtait. Et là, le coach vient en vous disant merci. Et vous le remerciez pour le travail qu'il a fait. Et on se voit la prochaine fois. Et voilà, c'est le succès. Wow. En fait, le coach, il est là pour donner les pistes et astuces, mais c'est toi qui dois tout faire, qui t'aide à trouver la réponse, comme on dit. Oui, mais généralement, la réponse, on l'a. Simplement, peut-être qu'on n'a pas le recul nécessaire simplement pour pouvoir avoir cette réponse-là. Et le coach, justement, lui étant pas forcément impliqué dans votre projet, il a cette profondeur-là et ce recul-là. Ce recul. Voilà, pour pouvoir vous montrer que, voilà comment on pouvait procéder. Mais finalement, si vous regardez bien quand vous arrivez au bout, ah, j'aurais pu le faire tout seul, mais heureusement que j'ai eu ce coach-là pour me donner la profondeur nécessaire pour passer... Donc, en fait, t'es une sorte de déclencheur. Ouais, c'est ça, un déclencheur, en fait, okay. Simplement. Mais sinon, la solution, en soi... Elle est déjà là. Et le coach aussi, il est aussi un peu là pour donner la confiance, parce c'est que parfois, ça. On n'a pas confiance. Par exemple, quand on a vu dans la petite vidéo, quand il rattrapait... Parce que quand on a un échec, on a besoin d'avoir quelqu'un pour vous rebooster aussi, pour dire, c'est pas grave, t'es tombé, mais il faut repartir. Et justement, le coach, il est là. Il va te donner les clés, il va te dire, vas-y, mais peut-être qu'à un moment, tu vas bloquer et tu vas te dire, ah, j'y arrive pas. Et bien, il est peut-être là pour te dire, non, je suis là, je vais te redonner encore quelques pistes pour pouvoir faire les choses. Et ceux qui pensent en Afrique, ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses, que le coach, ça peut être aussi un gourou, un maître de vie ou quelque chose comme ça, un pasteur. Parce qu'il y a des gens très influençables. Un pasteur. Un pasteur, tu vois, ce genre de choses. Ils ont peut-être peur de se dire que je confie à Kossi mes intérêts ou lui donner mes idées, mais est-ce que. Il va pas me le voler. Il va pas me rouler, prendre ça à ma place, ce genre de choses. Non, parce que. Et est-ce qu'il est compétent pour ça? Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi que choisir le bon coach est nécessaire. C'est pour ça qu'au début, il faut aussi, quand tu rencontres ton coach, tu lui exposes le problème. Si le coach est. Bien il sûr, comme on disait, est-ce qu'il est professionnel et est-ce que réellement c'est quelqu'un de sincère? C'est là où il va te dire, alors moi, effectivement, je peux t'aider sur ce sujet-là, ou non, moi, je ne suis pas compétent, mais j'ai peut-être des collègues chez qui je peux t'orienter. Mais un coach ne peut pas être compétent sur tout. C'est celui qui vous dit ça, ce n'est pas possible. C'est comme celui qui dirait, je cours le 100 mètres, je saute en hauteur, je saute à la perche. Et je suis footballeur. Et parfois, l'échec d'une personne peut être perçu par la personne même que c'est la faute du coach. Non, parce que le coach, des fois ça arrive, parce que souvent les gens pensent qu'avec le coach, tu arrives tout le temps. Mais ce n'est pas vrai. Des fois, il arrive qu'avec le coach, tu n'y arrives pas. Okay. Mais ce n'est pas un échec parce que tu auras tenté une des solutions. Mais après, c'est au coach aussi de rebondir, de dire voilà, on est arrivé au bout de ce qu'on aurait pu faire et je n'ai pas réussi à t'aider, mais
peut-être que derrière, je peux, moi, maintenant, t'orienter vers quelqu'un d'autre qui va peut-être t'aider à passer ce petit palais en plus que moi, je n'ai pas réussi à te donner. Alors, Cosimo Dess, pour tous ceux et toutes celles qui veulent te contacter, c'est toujours la page chez Francis, en dehors de ça. Tout à fait. La page chez Francis, on a reçu beaucoup, beaucoup de messages. Toujours ma page, Cosimo Dess, ou mon Twitter, pareil, Cosimo Dess, ou mon Skype, Cosimo Dess. Mais c'est vrai que sur la page de chez Francis, vous avez toutes les informations qui sont sur la page. Et à partir de là, j'ai déjà des gens qui m'ont, énormément de gens qui m'ont envoyé des messages, des gens qui m'ont rajouté, des jeunes filles par rapport au relooking qu'on avait fait, par rapport à l'Ixia Agence, qui m'ont demandé quand on sera à Kinshasa de pouvoir justement être des égéries de notre campagne là-bas. Toutes les suppositions et toutes vos provisions sont les bienvenues. Et dès qu'on sera à Kinshasa, on vous préviendra. Et promis, avec toute l'équipe, on viendra pour vous apporter une joie supplémentaire. Chut, secret. C'est ça. D'ailleurs, il y a un concept qui arrive. Oui, voilà. Chut, secret. On se retrouve maintenant avec notre entrevue du jour. On va être un peu sérieux. Fabrice Pembe, il va revenir pour BBM dans quelques minutes. Ouais. Enfin, dans quelques temps. Ainsi que Winnie pour terminer avec nous l'émission. On va parler d'un sujet très sérieux, la montée du racisme ici en Europe. Et pour cela, nous allons recevoir deux personnes qui sont concernées par cela. C'est notre face-à-face, mais avec un dossier, la montée du racisme en Europe. C'est tout de suite le face-à-face. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Chers amis qui nous suivez, surtout vous, frères africains, souvent, quand je sors cette phrase que l'Europe n'est pas un paradis, il y en a beaucoup chez nous, chez moi au Congo et en Afrique, ils se disent, mais lui, là, il se prend pour qui? Parce que il est en Europe, il veut pas qu'on vienne et tout et tout. Bah, actuellement, on est en train d'assister à beaucoup de choses qu'on voit à la télé, qui deviennent de mœurs courantes, tout à fait naturelles. On peut traiter quelqu'un de singe, de gorille. Donc, les mêmes trucs qu'il y avait à l'époque sont en train de revenir maintenant. Je précise bien, parce que je ne veux que mon propos soit bien interprété. Ce n'est pas tous les Occidentaux qui sont comme ça. C'est une petite partie de la population, mais ce que nous reprochons ici dans l'émission, c'est le fait que ça devienne banal. Et pour cela, pour parler de ce sujet très important, nous avons invité deux personnes de notre commune, de la communauté, qui sont bien placées en tout cas, qui sont bien ancrées dans les milieux du travail et tout, qui vivent ça et qui sont contre cela. Et je vais commencer tout d'abord par la dame qui est avec nous, Yolande Nimi, qui est une des rares, je dis bien, une des rares journalistes africaine, qui travaille dans un grand quotidien ici en Belgique, qu'on appelle La Capitale, qui fait partie du groupe Sud Presse, qui est le plus grand groupe de presse ici en Belgique, Yolande Nimi. Bonjour. Bonsoir, Francis. Ah oui, bonjour, bonsoir, c'est la même chose. Mais je suis content parce que je reçois une intello, je ne dis pas que je ne reçois pas des intellos, je reçois une intello, une journaliste qui va avec nous parler de ce sujet qui était très important. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation tout d'abord. Ensuite, nous avons M. Jean-Yves qui est là, Jean-Yves qui tourne toi, parce qu'il faut bien que je prononce, qui tourne toi, qui a qui deux problèmes parce qu'il a des lunettes noires, qui tourne tout. Ah, ben c'est pas ce qu'on m'a écrit, mais bon, c'est pas grave, la fiche à Zaf. Qui a trois problèmes s'il a des lunettes noires, soit, c'est une blague qu'on sort entre nous, soit il s'est battu en boîte la nuit, deux possibilités, soit il a fait comme tous nos frères africains, il a attrapé la polo, comme on dit chez nous au Congo. Alors, ou soit, il a bu beaucoup hier soir, c'était vendredi, et aujourd'hui, samedi, il est revenu bien bourré avec des lunettes. Non, sérieusement, c'est la conjonctivite. Oui, j'ai une conjonctivite. D'accord. Alors, avec vous, il est présent du mouvement contre le racisme ici en Belgique, contre le racisme, l'antisémitisme et aussi la xénophobie, MRAX. Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Alors avec eux sur notre plateau, ainsi que Cosimo Dess et Alexandra Cardin, pourquoi j'ai gardé Alex sur le plateau? J'ai gardé Alex sur le plateau parce qu'elle a cette richesse d'être double, d'avoir cette double culture. Elle est moitié occidentale, moitié blanche si vous voulez, et moitié africaine. Donc elle a ça et elle vit ça, elle vit ça de deux côtés. Sans oublier Cosimo Dess, lui, l'itinérant, le voyageur partout, il a subi ça dans tous les sens, surtout qu'il travaille en France, donc il sait ce que c'est. Alors on va commencer le débat, vous intervenez quand vous voulez. Non, il n'y a pas de règle, je donne la parole à gauche ou à droite, tout ça. Donc, je vais d'abord parler à mes invités. Tu me permets, Jean-Yves, que je commence par Yolande. Alors, Yolande, toi qui es, tu sais, aujourd'hui, on se demande comment une femme noire a réussi, malgré ses compétences, parce qu'il y a beaucoup de gens compétents, à rentrer dans le milieu de la presse ici en Belgique ou en Europe. C'est très difficile. On remarque que vous êtes à compter sur les bouts des doigts. Est-ce que ce n'est pas une forme, non seulement parce que tu es une femme, donc de sexisme, mais aussi une petite forme de racisme, parce que c'est un peu difficile de bien pénétrer à l'intérieur?
Il est vrai que je n'ai pas beaucoup de compatriotes que je puisse compter parmi mes collègues. Maintenant, je pense que être une femme et être une femme noire ne doit pas être vu comme un handicap. Tout est une question de compétence. Tu l'as dit magnifiquement que j'étais une intello, peut-être, qui sait. Mais en tout cas, on se donne les moyens de réussir. On se donne les moyens de réussir. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, on n'a pas tout le monde n'a pas cette chance, après sa formation, de trouver un travail qui plaît et en plus qui nous ouvre les portes et qui nous laisse exercer comme on l'entend. Pourquoi ? Parce qu'on est peut-être, on a peut-être un délit de sale gueule, hein, on est noir, on peut être maghrébin, on peut être même métisse et ne pas être accepté. Donc voilà. Maintenant, je vais parler de mon cas. Je travaille pour un groupe de presse qui a compris aussi la nécessité d'ouvrir ses portes, d'accueillir la diversité. La diversité est une recherche, est une richesse, pardon. On ne peut pas être journaliste et voilà. Prenons le cas d'un journaliste blanc, il ne pourrait pas non plus traiter toutes les informations avec la sensibilité qui est la sienne. Peut-être qu'en rencontrant une communauté, ben voilà, cette communauté ne voudrait pas lui parler, compte tenu de son histoire personnelle, etc. Et elle serait peut-être beaucoup plus ouverte avec une personne d'origine africaine, un maghrébin ou que sais-je, peut-être un asiatique, voilà. Parce que la discrimination, elle est partout. Donc, je pense que la diversité est une richesse et il y a certains médias qui encouragent en ce sens. Malheureusement, il y en a d'autres qui ne le font pas. C'est moi, dans la capitale, ben, je me retrouve. À la télé belge, excusez-moi. J'adore la Belgique, je vis en Belgique, mais trouver un noir, où ? Oui, mais de toute façon, on a des exemples. On a des exemples visibles. Hein. On a eu Pierre Miguicha, on a Luc Maton pour la RTL, on a Hakima Darkmouche. Donc, on a des exemples. Mais maintenant, ils sont à compter sur les doigts de la main. Et il faut travailler dans ce sens. Mmh. Alors, maintenant, tu nous invites aujourd'hui pour une émission... Pour parler de ça, parce qu'en fait, justement, sans te couper, je voudrais que l'intervenant, en tant que président du mouvement contre le racisme, on remarque, on le voit, on le lit, c'est comme si c'était quelque chose qui était couvert, et on sent qu'aujourd'hui, ça explose, on trouve ça normal. En France, le Front National, c'est tout normal, l'UMP commence à sortir des phrases contre Madame Taubira et tout. Ici, en Belgique, on voit la montée de la xénophobie, on voit tout ce genre de choses-là, on tape les Noirs par des jeunes Flamands, on tape des jeunes dames et tout ça. Vous pensez, c'est dû à quoi ce qui se passe par rapport aux frères? Pas seulement Noirs, hein, je dis bien même les Arabes, même les Juifs, tous ces trucs-là. C'est dû à quoi tout ce qui se passe en ce moment-ci, parce que c'est de tous les jours, il y a une nouvelle affaire. Mais pour moi, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, qui n'excuse pas, mais c'en est une, c'est que l'Europe aujourd'hui vit dans une période de crise. On constate bien on constate la montée du chômage, on constate qu'il y a de plus en plus de difficultés à nouer les deux bouts. On peut rajouter à cela aussi le phénomène des travailleurs pauvres, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent, t'as l'homme et la femme qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts en fin du mois. Donc tout ça crée un climat qui est beaucoup plus difficile. Mais ça n'excuse pas, ça n'excuse en rien le fait qu'on constate la montée du racisme. Parce que moi ce que je dis toujours, c'est quoi ? C'est qu'une société qui se referme est une société qui s'appauvrit. Et donc moi ce que je pense, c'est qu'il y a aussi à un moment donné une responsabilité des leaders d'opinion et des leaders politiques dans ce pays. Je m'explique. À partir du moment où on constate qu'il y a une tendance à vouloir chasser les voix de l'extrême droite, je prends par exemple la France, où on a eu avec Nicolas Sarkozy et puis qui a voulu chasser la droite pour se réélire, voilà, ça n'a pas marché. Ben, le fait, ça n'a pas marché pour lui, mais le problème, c'est quoi ? C'est que à partir du moment où des personnalités publiques dites responsables, respectables, commencent à vouloir chasser ce genre d'électorat, à commencer à tenir des propos insultants vis-à-vis d'une partie de leur population, ben quelque part, ça décomplexe, si je peux dire ça comme ça, certains discours. Et quelque part, c'est comme si on ouvrait la porte à une espèce de déferlante, de haine, de propos racistes, etc. Et c'est extrêmement inquiétant parce que quand on regarde la situation qui est arrivée, par exemple, à Mme Cécile Kyenge en Italie. Notre ministre, j'étais extrêmement choqué. Mais plus grave encore, plus grave encore, c'est ce qui est arrivé à Mme Taubira en France, parce que là, on a eu. C'était un enfant, c'était les paroles d'un enfant.
Oui, oui, quand l'enfant donc, lui a dit banane. Voilà, ça, c'est, et ça, c'est, pour moi, c'est même encore pire parce que c'est, ça sort de la bouche d'un enfant. Et donc c'est là qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Je veux dire, on constate, et ça, c'est quelque chose que je dis, c'est que si on continue à aller dans ce sens-là, on va vers la déliquescence, si je peux le dire comme ça, de la société occidentale. Et ça, voilà, c'est une réalité. Et pour revenir à ce que vous disiez par rapport à la discrimination à l'embauche et le fait oui, que... Oui, j'ai demandé par rapport à Yolande et à vous, comment vous qui êtes impliqué, qui travaillez dans le milieu économique, enfin dans le milieu le belge et occidental et tout ça, comment vous ne trouvez pas que c'est un peu plus difficile pour vous de faire certaines choses alors que vous êtes peut-être plus compétent que d'autres pour arriver à ce niveau-là. Mais justement, ouais. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que... Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Oui, oui. Juste là-dessus, ce que je dis toujours, c'est que... moi, je dis aux personnes qui tiennent des discours un peu racistes, etc., ou qui disent « oui, mais la discrimination d'embauche, oui, mais bon, voilà, c'est un petit truc banal, etc. » Moi, ce que je leur dis, c'est quoi ? C'est que, de toute façon, que vous aimez ou que vous n'aimez pas les étrangers, ils sont là. Donc, ouais. À un moment donné... Une personne d'origine étrangère qui travaille est beaucoup plus rentable pour la société qu'une personne qui est au chômage. Parce que si elle est au chômage, elle bénéficie du système, si je peux dire ça comme ça. Sans, évidemment, je dis ça avec respect, évidemment, pour toutes les personnes au chômage. C'est pas ça, mais je veux dire, voilà, ils sont dans une voie qui ne leur permet pas de s'émanciper. Alors que s'ils travaillent, ils peuvent payer des impôts, ils peuvent contribuer au développement économique du pays. Donc moi, je leur répète souvent ceci, c'est que même si ce n'est pas pour vous, même si vous ne les aimez pas, enfin, faites-les travailler au moins pour vous, parce qu'ils vous sont rentables, à un moment donné. Donc c'est ça la réalité. Yolande, un petit mot, et puis je dois poser une question à Alex, c'est très très important ce que je vais lui demander aussi. Je rejoins tout à fait Jean-Yves dans son discours concernant l'emploi, la discrimination, aussi le travail que doit être fait par les leaders d'opinion, et quand il parle de ce jeune enfant qui insulte la garde des Sceaux française Taubira, je pense que le travail doit être aussi fait chez soi, à la maison, en aval. Et donc ça, c'est important de le dire, parce qu'on aura beau combattre tous les jours contre une certaine forme de racisme, tant que les enfants ne sont pas éduqués dans ce sens pour comprendre qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, qu'on soit noir, blanc, jaune, peu importe. Donc voilà. Alors Alex, tu es là en une minute, tu as cette richesse d'être multiculturel, moitié blanche, oui, moitié noire, donc métisse pour être... Tu n'as pas souffert de ça de deux côtés, parce que c'est comme une chauve-souris, elle n'est pas un oiseau, mais elle n'est pas une souris non plus, donc forcément des deux côtés, c'est comment de vivre sous cette couverture ? Ben, souffert, je pourrais pas aller jusque-là, en fait, c'est vraiment un grand mot. Mais moi, ce qui me frustre le plus, en fait, c'est que je trouve que le racisme, en tout cas en Belgique, c'est quelque chose de vraiment très discret et latent, en fait, et assez subtil, en fait. Donc, il va pas être évident. Moi, par exemple, pour les recherches d'emploi. Donc, on va voir mon CV, je vais envoyer mon CV, on ne voit pas ma photo, on voit mon nom, hein, très belge. Et puis, il y a souvent un petit étonnement à l'interview. Donc, moi, j'ai l'impression que, surtout dans le domaine de l'emploi, il y a une espèce de plafond de verre. Aussi. Il y a une espèce de plafond de verre, comme ça, on peut gravir les échelons jusqu'à un certain moment, mais aux postes les plus hauts, ça commence à devenir un peu difficile, même si on a les compétences, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. Expérience personnelle. Conseil, tu viens de France, dis-moi, là-bas, c'est terrible. Hein. Ce qu'on explique là ne date pas d'aujourd'hui, il faut bien comprendre ça. Moi, déjà, mon papa, à l'époque, me disait « tu n'es pas différent des autres ». Mais on t'en demandera toujours plus que les autres. Mon papa est sorti premier de sa promotion en étant prothésiste dentaire. Il a été le dernier, alors que les premiers de la promotion, généralement, les 5 premiers trouvent du boulot, il a été le dernier à avoir trouvé du travail parce qu'il était le seul noir. Moi, j'ai vu des photos où il était le seul noir, justement, de sa promotion. Donc, ce phénomène-là dure depuis des années. Moi, j'ai travaillé chez Air France, donc la compagnie aérienne. Pour rentrer là, il y avait des gens qui me disaient « mais le fait que tu sois noir, déjà, ça t'enlève 50% de chances de rentrer chez Air France ». Pourtant, je suis rentré chez Air France, on pense à tous les concours, et j'y suis arrivé. Et je pense que souvent, il y a aussi ce phénomène quand on arrive quelque part, et c'est là aussi où il faut travailler peut-être plus que les autres, mais ne pas voir le mal partout. Aujourd'hui, il devient banal. Avant, il a toujours existé, hein. Attention, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il a toujours existé, mais aujourd'hui, ça devient banal. Et c'est vrai que quand je suis rentré chez France, des fois, j'avais des collègues qui faisaient des blagues. Oh, tiens, t'as vu les Noirs avec leurs valises, hein, saga africaine, musique africaine. Voilà, mais toi, t'es pas comme les autres. Hein. Et je leur disais non, je suis comme les autres. Simplement, je pense que comme on disait par rapport aux enfants, cette éducation qu'on doit donner aux enfants, mais est-ce que c'est pas les parents
d'abord qu'on doit éduquer. C'est comme le phénomène des bandes urbaines dans les quartiers. Tu peux intervenir, il n'y a pas de problème. Je disais simplement, juste pour finir là-dessus, souvent, moi, mon papa, il me disait 22h à la maison, ce n'était pas 22h01. C'est-à-dire que quand j'arrivais à 22h01, tu t'en prenais une, je peux te dire que la semaine d'après, tu arrivais à 22h00. Mmh. Donc, est-ce que d'abord, avant de ce phénomène-là, ne vient pas déjà des personnes, à peut-être, comme tu disais, à des hautes sphères qu'on doit d'abord éduquer avant d'éduquer ceux qui sont en bas? Okay. Alors, juste parce que les télés, c'est du temps, c'est de l'argent. On a introduit en fait ce sujet, parce qu'on en a parlé toute l'année. Ça a marqué l'année, en tout cas, cette montée de racisme. Alors, je voulais avoir ton mot de la fin. Surtout que toi, tu es pour un mouvement contre le racisme et tout ça. Tu vois des cas et tout, et tu vas souvent plaider pour les gens. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui ont peur aujourd'hui, peut-être de venir, ou ceux qui vivent ça au quotidien? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que je peux dire, c'est difficile de résumer tout ça, mais ce que je pourrais dire très rapidement, c'est que la première chose, effectivement, il faut travailler sur l'éducation. Donc, raison pour laquelle, au MRAX, on plaide pour pouvoir avoir dans l'enseignement des cours d'histoire des immigrations, pour que les gens puissent comprendre bien, aussi à un moment donné que s'il y a des Congolais en Belgique, c'est qu'il y a une histoire. Donc qu'on puisse un peu revaloriser tout ça. Il faut évidemment aussi travailler sur les parents, il faut les sensibiliser, et que c'est quelque chose qu'il ne faut pas arrêter, parce qu'on a parfois tendance à dire « oui, mais bon, on n'est plus dans les années d'esclavage, etc. » Non, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus latent, comme ça a été dit par ma voisine ici. Et puis, je terminerai là-dessus, c'est que tu l'as très bien dit, c'est qu'il y a parfois ce discours de dire « tu n'es pas comme les autres ». Et donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans notre subconscient qu'il faut arrêter de penser, c'est que il n'y a de la place que pour un seul noir. S'il y en a un qui réussit, il faut pouvoir faire réussir les autres. Parce que, et je termine là-dessus, vous avez parlé tout à l'heure du cas de Madame Assita Kanko. Quand elle va refuser le fait qu'on mette une place Lumumba à XL, je suis désolé, mais en tant qu'Africaine, c'est honteux et c'est scandaleux. Ben ouais. Est-ce que ça n'aide pas justement à valoriser notre histoire? Merci en tout cas, Jean-Yves. Je vais terminer avec Yolande. En dernier mot par rapport à cela, surtout que tu es une des rares, comme j'ai dit, à compter sur la main, qui fait partie des médias belges aujourd'hui. Un dernier mot par rapport à ce sujet. Ce n'est pas la dernière fois que je vous invite, tous les deux, parce que vous savez que la télé, c'est bien carré. Mais le mot de la fin, ça serait, j'espère en tout cas, que je ne serai plus parmi les rares et qu'il y en aura beaucoup d'autres comme moi. J'espère en tout cas que tu garderas ton poste. Juste aussi. Une question. Est-ce que, sans citer de nom, est-ce qu'il y a des médias aujourd'hui où réellement il n'y a pas cette visibilité de la diversité aujourd'hui, parce que la capitale, comme tu disais... Sud Presse, oui, et puis bon, moi j'ai cité des journalistes d'RTL, c'est Télé Bruxelles, enfin... Des chaînes concurrentes, on en a vu, des Africains émerger, en tout cas, à la télévision. Pas plus, parce qu'il faut juste faire la diversité. Donc, et autre chose. Non, honnêtement, il y a de la place et il ne faut pas penser, parce que je n'ai pas vu un frère, un compatriote à ce poste-là, je ne pourrais pas. Donc voilà, il faut aussi... Oser et se donner les moyens. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus sur notre plateau pour parler de ça. Je sais merci pour l'invitation. Mais... Merci, Francis. La prochaine fois, on essaiera. En 2014, on essaiera d'en parler plus. MRAC, en tout cas, je vous remercie. Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Madame Yolande Nimi, qui est notre seule représentante au journal La Capitale. Merci en tout cas d'être venue aujourd'hui. Merci à vous. Jean-Yves. Merci. Tout de suite, le jingle de BBM. Boningabo et Baba Saper. Eh oui, ça, c'est de chez nous, ça. Les meilleurs habillères. De qui je parle? Qui ici peut parler que de ça? À part Fabrice Pembele. Désolé, même l'oreillette veut partir. Fabrice Pembele, tout de suite. Bolinga Kengo, Bosinga Kengo, vous avez réclamé son retour. Fabrice Pembele, la SAP, épisode 2. Voilà, chers amis, Francis, vous tous, voilà, la sapologie, habillée aujourd'hui par Yannick Mavola, vous voyez. La sapologie, c'est ça. Sapologie et banda. Avec étiquette. Avec étiquette, parce que ça, il ne faut pas oublier. Ça, il ne faut surtout pas oublier que l'étiquette, c'est très important. Pourquoi l'étiquette, c'est très important? Parce que pour les Congolais qui s'habillent, quand ils mettent. Non, les Congolais qui s'habillent, donc quand ils mettent la sapologie, il faut qu'il y ait l'étiquette. Parce qu'il y a le prix là-bas. Pourquoi? Et derrière. Pourquoi? Parce que c'est la marque. Ah, mais oui, oui. Obligé. Sapologie, on va marquer dans Milamba, donc elle a dit, donc le mot money, swag. Hein. Comme on dit chez moi, porter les vêtements qui font l'amour, oui. Et le corps, alors, et les chaussures qui parlent. Je peux parler un peu les chaussures. Parler, parler. Ça, c'est les chaussures qui parlent. C'est que je peux pas aujourd'hui, donc vous allez voir Papa Wemba, bon, on est le Papa Wemba, qui dit que sapologie est bandana brasa. Donc, tout le monde a des images, bon, la semaine. Les images, c'est tout de suite, sapologie épisode 2. Coupé ma boîte à gagner 800€, 1700€. 2500€. On route à Bazaïwate. On va à Zéro, on va à Tarongote.
Mais c'est un érogite. Une nouvelle collection. Là, tu as monté parce que. Là, tu as su yogite. Na yogi. Ma patoba nzenzela ma kacha héro. Oh, bon, moi, ma nzenzela. 1700 euros. Moi, na yogi, c'est quoi? Oh, mon dieu, cher. Na obeta moti. Au moins, il va couper. Va couper, tu es mort. Oh, les gars, on a cher. Na daé. Donc, on s'attire. Oh, yogi. Oh, yogi. Oui, oh, il y a un zéwate. Merci, Sirikina. Oui, oh, donnez ça au bilan, belé. Bon, vas-y, oh. Il y a un Mike. Achevez, quoi, témoin. Achevez, au côté, il y a un Dieu témoin. Achevez, au côté, il y a un Dieu pas. C'est la vie, va musique, au côté, il y a un Dieu pas. On le voit pas. On a remercié la rencontre Oyo, Tokutani de Congo, Congo Zaïre, na Congo RDC. J'ai un grand plaisir à vous remercier de vous avoir tout balanda émission Oyo, il y a Sapologie, on a un clip à Papa Wemba. Ce qui est vrai que on ne peut pas comparer la sape zaïroise, la sape congolais, parce qu'ils ont des courants différents. Bisous en Kati à Révolution, Bangouazan en Kati. Quand je débarque chez vous, même si vous avez votre fille, vous me la mariez. Quel mot je plais. Comprenez? Là, je suis en costard Satan. Collection 2010. C'est Isaac. Tu comprends? Ça, ce que vous voyez, je tourne en bretelle. Mais comme ils ont parlé des trucs qui défilent, vous voyez, déjà, quand on est sapeur, on doit être bien éduqué. Vous voyez, ils sont passés. Ils sont passés, nous on n'a pas parlé. Donc le Congolais de Brazzaville, il a le savoir-vivre. Tu comprends? J'ai montré, je suis en Isaac. Alors, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que je n'ai pas un numéro. Le numéro dans la Bible, c'est un mot puissant. Ils vont comprendre. Vous croyez que moi je rigole? Et puis, je vais la tenue, tu as tous les mamans, tu as tous les mamans. Et si, je vais la tenue, je vais la tenue, je vais la tenue, je vais Bilamba, on dirait pas cobaye. Je comprends. Na bongo la kabila mana ndako. Non, c'est bien. Ils ont parlé des pièces. Tu crois que moi, je le jette pas par terre parce que moi je respecte le vêtement. Attention, faut pas tomber toi aussi. Oh, tu vois la pièce là? C'est du canali. Canali! Papa, oui, maintenant ça la proclamation de l'on a soir à wa. Ma saper, ma monana. Ben Moukacha Lumbuela. De Molal. Ben Moukacha Lumbuela. Apparemment, papa, oui, mandimi quoi. À vrai dire, ma maman voita comme voita ya sape bandaka na Brazzaville. Ah, ils sont témoins. Voilà. Et lumière sera faite sur ces sapeurs. Aïe 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 aïe. Ça s'annonce chaud ce soir. Qui a emprunté le Gianni Versace de son ami? Qui est allé chercher les Dolce Gabbana d'autrui pour nous montrer? Qui a acheté? Venez, 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 mes amis, venez. On va voir de quoi vous êtes capables. Passez là, c'est pratiquement un défilé. Allez, allez jusqu'au fond du podium de l'autre côté. C'est terrible. Hein? C'est vraiment, vraiment terrible. Alors ça s'annonce chaud, mon cher ami. Tu peux nous dire déjà comment tu t'appelles? Bah, je me présente. D'abord, je salue la foule qui est dans la salle, que je respecte énormément. Ils sont tous bien habillés, ils sont très beaux. Je les félicite à eux tous. Donc, je me présente. Je suis Norba Nimrod de Paris. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, ils savent ce que c'est Nimrod. Donc, c'est l'habillement, c'est mon amusement, c'est là où je me défoule après des journées de travail. Et comme tout le monde dans la salle, c'est une fête.
La SAP, c'est pas la guerre. La SAP, la SAP, la SAP. On ne se moque pas parce qu'il y a des gens qui prennent ça vraiment au sérieux. Et il y en a. Donc c'est pas tous, parce que dernièrement, on m'a fait le reproche qu'on croirait qu'on se moquait des sapeurs parce que d'autres sont pauvres, ils ont plus de vêtements qu'autre chose. Non. Il y a des gens qui travaillent vraiment du matin à 19h, 20h, et puis la fin du mois, ils payent ses vêtements et tout. Il y en a aussi qui ont ça d'une autre manière. Fabrice. Bah, la vidéo que vous venez de voir, Narensi Bomoniango, donc Norba de Paris, donc Azolo Bakeno, yé. Aipo alaki sabango ya boko la bilamba. Donc ce moment mutazo boko la bilamba. Il lève les habits comme des poules, comme des habits voilà. Des animaux. Donc et le pire, c'est qu'il a dit Allah tiangou mbala moko, il remettra plus jamais ça. Pour dire que la sapologie a pris tellement une place très importante au sein de la société congolaise et que ça soit dans la diaspora et qu'ils aient la même et de Brazza et de Kin. Et de Brazza et de Kin parce qu'il y a une guerre aussi qui s'est installée entre ba congolais à Brazza, na ba congolais à Kinshasa. On est frères, mais on est frères. Frères. Mais oui, bien sûr. Mais pas dans la regarde. Même Papa Wemba alors bien haut que la SAP, l'histoire de la SAP commence à commencer la Brazza. Et maintenant, on va regarder par quoi la suite, maintenant, on va regarder, ça c'est la deuxième partie, c'est là que vous allez voir, c'est encore beaucoup plus marrant. On va voir notamment aussi Koffi Olomide qui revient encore avec cette histoire où il dit que voilà, bah, ça peur, bah, ça va aventurer. On regarde ça tout de suite. Nama Bokunayo, est-ce que aussi bas 10 000 euros comme ça là? Non, non, c'est un peu plus tard. Parce que quand on a levé la masse à l'art, tant qu'on a tant de salaire frais, la bête m'a mis ma victoire of Taraba Bijou. Nama Bokunayo, est-ce que aussi ma 10 000 euros comme ça là? Moi je suis pas là pour t'expliquer que tu es là, on a salaire à l'art. Comment ça va là? Là c'est quoi? Nama Bokunayo, est-ce que aussi ma 10 000 euros comme ça là? Mon salaire à l'art, le chef d'entreprise aujourd'hui, Maza, la SAP a été remplacée par les gens entrepreneurs. Kaba architecte, parce que la bon. L'argent de poche prend partout. L'argent de poche paye salaire n'ango. Nama Bokunayo, est-ce que aussi ma 10 000 euros comme ça là? L'argent de poche paye salaire n'ango. Moi ni nous revenons dans la table là comme argent de poche salaire n'ango. Vous comprenez? Argent de poche salaire n'ango. Nama Bokunayo, est-ce que aussi ma 10 000 euros comme ça là? C'est quoi 10 000 euros? C'est quoi? C'est trop cher. C'est trop cher. Et la valeur, on a même 5 personnes en Europe. Sauf qu'ils puissent. Tu te rappelles de Pépé Calé, la clip, les camboyas. Ma femme est à Kinyawa. Pour bêta viser, bêta mana, bêta tourner pour sa femme. La bagarre à boule toujours. Nous avons trois styles de la SAP. Les anciens débarqués, les nouveaux débarqués et les. Il n'est pas encore débarqué. Même si tous les appels, il fait vieux, boya, boya. Voilà ma tête, il va la bombe par-ci, par-là. Voilà la présence de nous. C'est la fin de moi qui prend le gouvernement de la SAP. Voilà qui tourne. Pantalon. Bon, ma Congolais va l'imbissanga. Mais mon colo va saper, va défiler qui a dans mon agioté. Ma saper va m'aventurer. Pas du tout, ma émi. Mais bon, voilà. Voilà. Le milieu ne changera jamais, il ne changera jamais. Alors. Voilà, donc vous avez vu Norba, Norba de Paris, Ningazo Bois Kambongo. Tu sais, là où ça la passe, c'est voir que Bato Ming Bazo Saranambongo, vous avez tiens à Bilamba, au moment où on attend, monsieur, sur votre nom, famille, on a Kin. Ou à Brazza. Ou à Brazza, Bazo Zanga, même Maya, Bio Rolia. Toi, attends, Nino, Ndako Sika, Rolala, Malonga, même les choses les plus simples, Bazozanga. Pourquoi? Parce que, Bato, Batinda, Napoto, puisque la plupart, tant que c'est papa, Nabango, maman, sacrifia, moi, Teki, le pain, moi, parti, Batindi, Napoto, et voilà ce que ça donne. Tolobite, que Bango Nyonso, attention. Il faut bien préciser. Je précise bien. Tolobite, que Bango Nyonso. Mais la plupart, il y a sa peur au Baza, à son hôtel, Ndako, Nabango. Zéro. Et l'autre côté, car la bouteille à maille, non, il faut dire ce qui est vrai. Bah là, on a un carton, on a vu ça, tout le monde a dit, on a montré les images et ça fait mal. Et une chose qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont des radins à ma cabareté. Ah ben oui, tout dans la garde-robe. Sa peur a préféré aller ça yo. Bon bimi, à foutre lui, bon meli, tout ça. Donc vous allez au resto, il t'offre tout. Il paye tout. Mais il te donne pas. Mais après son bongo. Jamais. Il va se payer une montre. Il va se payer une montre. Donc, bon, moni, à boire Kimbongo. Moussus, et les sapeurs de Congo. Bah, sapeur et à bas Congo. Classique. Classique. En plein chaleur. Brazzaville, salutations. En plein chaleur. Namo, il m'a cassé bête à Ranakin. Bon, moni, tu as la tébino col roulé. Col roulé. Oh, Namo, la casse. Ah oui. T'es bretelle, là. Les bretelles.
classique, s'il vous plaît. Ah, ok. D'accord. On est arrivé à la fin de cette émission-ci. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi. Mesdames, mesdemoiselles, c'est toujours un plaisir pour moi. Vous serez là pour l'émission de Noël. Bien sûr, on va parler de ça. Bien sûr. Christelle va être aussi avec nous. Zanim Piana sera aussi avec nous. Toute l'équipe sera avec nous pour fêter les dernières émissions de l'année. Monsieur Fan Club. Monsieur Fan Club. Oui, il a son fan club. Nous, on n'a pas de fan club. Lui, il a un fan club. Le mot de la fin, donc, trois fois, donc, vous allez sur la page Fan Club BBM Fabrice Pembele. Cet homme s'aime. Fan Club BBM Fabrice Pembele. Et au passage, je remercie donc le président de Fan Club. Parce qu'il y a un président du Fan Club qui est donc Dani Senda. Donc, qui est là, qui nous suit, donc, insalutation. Toi aussi, c'est pour les fêtes, qu'aussi pour non, moi, j'ai pas de, fan, de page fan. Hein. Ah, non, ouais, ça viendra. Je suis jaloux un ça peu, hein, parce que, attends, on est tous jaloux. Un mot de la fin, rapidement. Bah, on va se retrouver la semaine prochaine. Pour les fêtes. En tout cas, pour les fêtes. Et continuez à m'envoyer des messages. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous tous les samedis soirs. Grand remerciement en tout cas à toute la grande équipe de Silver Ray Studio avec qui on travaille l'émission, avec qui on est là chaque samedi pour vous faire plaisir. Merci à la grande équipe de Kinshasa. Je l'oublie très souvent, de B1 Télévision là-bas. Tonton Jaco d'Amour au marketing, merci beaucoup à toi. T'inquiète pas, Zaf Production en train de descendre à Kinshasa pour continuer nos activités avec toute la grande équipe. Ginto, le DG de B1. John Bouy, notre directeur de programme, merci pour votre soutien. Sans vous, cette émission ne passerait pas et on est là pour vous. Merci à tous. C'est à tout. On va se quitter avec un frère qui fait partie d'un duo haïtio-congolais. C'est le groupe Ginax. Ils cartonnent aux États-Unis. Leur tube est premier de ce côté-là. Je vous le propose parce que ce sont des frères africains. On est là pour tous et toutes. On se retrouve la prochaine fois. Prévenez tout le monde que ça sera le spécial bordel. Bonne année et Noël. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Ginax, c'est maintenant.